Salut à tous, c'est Netchev, nouvelle vidéo aujourd'hui de pêche à l'aimant, nouveau spot qu'on va aller explorer en barque. La barque est de nouveau ici. Et qui dit barque dit Renaud. Salut Renaud. Prêt à trouver les trésors? Hein? Prêt à trouver les trésors? Ah, toujours. Toujours prêt à trouver les trésors. Aujourd'hui ça va faire mal. Ouais. Voilà, on est prêt à se jeter à l'eau. On vous reprend dès qu'on y est. A tout de suite. Allez, on est parti, ça pêche. Ah, il y a canoë qui arrive. Ils nous contourneront, j'espère. Oh, je crois que j'ai déjà quelque chose. Ouais. Allez. On va mettre ça au bord, ouais. Ouais, on est obligé d'aller mettre ça au bord. On vient de sortir un panneau. T'enlèves l'encre de la Charente. Ah, attends, je vais me mettre en position de combat. Voilà, on y va, on est content, on voulait de la grosse prise. On en a eu. J'arrive, ah Renaud, attends. Je m'en vais. J'arrive. Ne t'inquiète pas, voilà, allez. Anne-moi ça. La Charente, ça vous gagne. Ça rime pas, mais. Qu'est-ce que t'as fait, Renaud? Ah bah c'est pour ça que tu te barres. Je sais pas s'il est récupérable. Hein. Comment on va ramener ça? Dans la barque? Oui, dans la barque. Attention, t'embarques les cornes des aimants. Eh ben, quelle prise! Regardez-moi ce cinéma là. En plus, la Charente, il est classe quoi. Mais je continue de pêcher sous le pont, on sait jamais. Il y a quand même pas mal de fond. Hein. Non. Non, il était réellement là-bas, je me suis documenté. Je pense aussi. Bah, surtout si... Ah non, pardon, la crue, elle était du 23 décembre 1982 et donc elle était au niveau de la pancarte là. Hein. Donc c'était quand même une crue majeure. Hein. D'ailleurs, s'ils ont mis une date, c'est que c'était mémorable. Ah ouais, ça c'est ouais. Ça passait bien quand même. Donc tu penses bien que s'il y avait des trucs au fond, ça a tout déménagé plus loin. Hein. Il y a de grandes chances. Enfin, ah, ma corde. Renaud, je suis désolé. Plonge. Si, parce que ma corde est cool en fait. Ah ouais. Ah ben là je suis pas... Ouais. On va aller chercher l'élément. Hein. Chercher... Ouais mais la corde elle est au fond. Hein. Ah, non. Et voilà. Le fail épique. Bien joué Renaud. Quelle facilité. Bah c'est l'aimant qui s'est pris dans la pile. GG Renaud. Là, quel effort. Et là, un joli nœud. Comme quoi le grappin, hein, il est utile. Toujours utile, bien joué. Bon, alors. Allez, ça pêche. Ah, t'as un petit quelque chose, Renaud, quand même. Ah ouais. Alors, l'aimant est pas plat. Alors, oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sur cette face-là, j'aurais presque osé dire une pièce, mais c'est bombé de l'autre côté, je sais pas. Si vous avez une idée, j'ai lâché un com. Il y a vite du fond. Hein. Oh, Renaud! GG! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des trucs, hein? Un pic de pêche, c'est ça? Ouais. De fabrication maison. Ouais. Et c'est un garde vie, je dirais. Je sais pas, ouais, peut-être. Bien joué. Et un gros lot. Jolie prise. Jolie prise. Oh, putain, cette pointe. Bonsoir.
Allez, il y a des trucs. Alors, allons-y, regardez ça. C'est la roue du vélo. On va la voir, notre vélo. On va la voir. Voilà, dégueulasse. Super dangereux, là, les rayons, en plus. J'ai essayé de mettre ça comme ça, voilà. Eh ben, allez, bon. On va en faire des trucs, déjà. Une roue de vélo, ici, tu te demandes. Ok. C'est posé sur un spot de l'autre côté, là, il y a Renault. Il est en train de se baigner. Et moi, je crois que j'ai remonté un truc. Oui. Renault ! Cadenas, quelques pièces, c'est pas mal ici. C'est une branche en fer. Oh, oh là, c'est de la branche, mais regarde ce qu'il y a. Ah yes, une donc. Fourchette. Ah, c'est très compté là, c'est habité hein. La maison le contestera pas hein. Non, bon, en tout cas, à chaque lancer, on sort un truc. Donc ça c'est bien. Ouais. Ah, j'ai essayé de faire une vidéo de poisson moi quand même, ça serait pas mal. Puis toujours au... Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre là, regarde. Je jette mais... Oh là là, ça y est. Non, c'est un parcours no kill, ce que je disais avec mon pote Philippe hier soir, donc je relâche toute la ferraille à la fin de la pêche. Bon, non, c'est pas vrai, hein, bien sûr. Hein. Bon, pour l'instant, ça donne. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben j'ai la poignée de la porte. Et un bout de ferraille. Là ça sort, hein. On n'aurait pas pensé. Il y a eu de l'activité ici, c'est sûr. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va remonter là? Je n'en sais rien. Alors, il y a quelque chose, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, si vous avez une idée, on est preneur, hein. Un petit com, je sais pas du tout. Un fer à quelque chose? C'est grand pour un fer à bœuf, un... Bon, je sais pas, écoute. Un bout de ferraille. Allez, bon, bah ce spot au donne, finalement, pas trop mal. On va continuer là. Il y a un truc là. Regarde. La décoration du portail. On l'a retrouvé. Nickel. Allez Renaud. Alors tu me dis qu'il y a un truc au bout. Effectivement. C'est du lourd. La vieille poêle à mamie. Et voilà. Et une lame de quelque chose. GG, très belle sortie. Ça rigole plus là sur ce spot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est long. Quand c'est long, c'est jamais très bon. Alors. Ouais, je sais pas trop. Hein. De la merde. Ah, on se plaignait, mais il se remplit le seau. Hein. Ah, on a toujours un démarrage qui est un peu... Alors, je traverse le champ de... Ah, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore long. Donc, quand c'est long, c'est généralement de la merde. Ouais, voilà. Oh, bah, c'est une ferrure de volée, ouais. Si vous en manque une, si vous voulez bricoler, on l'a. Bon, en tout cas, ce spot donne plutôt bien. Hein. Ah, ah, oh là là. Alors, j'ai fait une step. Alors, j'ai l'impression d'avoir un truc. Et parfois, on fait un gros fail, mais
Alors, bah oui, hein. Et la queue de la casserole ou de la poêle. Ah, y a rien en fait. Ah si. Enfin, ça ou rien, c'est un peu la même chose, hein.